je vois aussi que, oui, la mer avance. Ça casse, il casse trop. Si tu as averti là, si déjà là où étaient les tombeaux, ce n'est plus. Hein. Tout est parti. Donc, bien cassé, bon, la mer, bon, la mer quand il est en train de varier, non, il casse trop. Au Ghana. D'accord. Consommer matériaux durables. Et on est parti là-bas en 2009 pour aider les Sao Tomé après à... La solution. Eh bien, la solution, il faut voir l'autorité. Et qui est aussi capable de comprendre son histoire, de vouloir apprendre cette histoire-là à toute génération et même aux générations présentes, pourquoi pas. Mais quand l'autorité peut-être se dise que... Parce que quand on veut aménager un site, il faut des moyens matériels et humains. Mais si les moyens matériels, ils manquent d'abord. Mais les moyens humains, ils vont venir sur le terrain et rien que palabrer, faire des discours et ils s'en vont. Et pendant ce temps, l'érosion continue à arroser. Exactement, il est né quand? Nous, on nous disait qu'il est vert, l'âge apparent. Et l'âge apparent, dans le comptoir, on vous regarde. Comme ça, pour que ça puisse pas encore se décharger. Charichon ou charichon, là. Voilà pourquoi. Le projet m'a... Il faudrait déjà faire de cette zone une zone d'éco-tourisme, dans le sens où il faut des espaces pour protéger la biodiversité. Donc il faut aménager aussi des sites qui vont retracer l'histoire de cette zone. Donc, je vais mettre de dos. Afin que nous puissions pérenniser la mémoire justement de ceux-là, les 2 millions d'esclaves qui sont passés par cette baie, au travers de chaque manguier que nous aurons à cloner et à distribuer de par le monde. Mata Tchobo a la particularité, disons la singularité, d'être l'un des rares vestiges vivants. Parce que comparativement aux autres comptoirs des esclaves sur le golfe de Guinée, les comptoirs étaient construits en matériaux durables. Mais ici, à Luango, le comptoir était construit en matériaux végétaux. Et ce comptoir a disparu, il ne reste que 3 manguiers symboliques que nous avons. Comprendre. Quand on dit que l'océanique, il y a un océan.